Aujourd'hui, nous avons pu voir pas mal de parallèles entre le métier de chercheur et les rugbyman, tout simplement parce qu'ils fonctionnent en équipe. Ils ont besoin de tout le monde, mais justement pour progresser. Il y a aussi de la concurrence pour justement se motiver et aller chercher de l'avant pour trouver le plus rapidement des solutions et guérir des différentes maladies. Les qualités qu'il faut avoir, c'est être passionné et avoir beaucoup de ténacité aussi. Il faut être très persévérant et c'est un travail qui demande énormément d'investissement et de persévérance aussi. On avance, mais on a toujours des questions à poser. Et chaque fois qu'on trouve une réponse, on a une autre question à poser. Donc on en a pour longtemps encore à travailler, parce que la recherche c'est aussi ça, c'est la curiosité, c'est trouver des nouvelles questions que peut-être on ne peut pas anticiper. J'ai toujours été très intéressée par la biologie. Après, le fait justement de vouloir venir en aide et découvrir de nouvelles thérapies pour les patients, c'est ce qui m'a aussi motivée et c'est aussi ce qui est stimulant dans ce travail. Quand on a un échec, on pense, écoute, il faut continuer parce qu'il y aura des gens à un moment donné qui vont bénéficier de ce qu'on fait aujourd'hui. Et si on a tous cette motivation-là dans ces domaines de recherche, ensemble, à la limite, on trouvera des réponses à ces types de questions et finalement, il y aura des avancées qui vont être importantes pour la thérapie de cancer et pour que ces patients qui sont là en cherche d'espoir, ils obtiennent l'espoir finalement. On est tous dans la même bataille, même si on n'est tous pas dans les labos.